Le marché crypto-monnaie est en ébullition. C'est vrai que certaines personnes vont dire, mais comment tu peux te parler d'ébullition alors que notre crypto-monnaie n'a pas encore performé? Si on essaie de regarder tout au long du mois, par exemple, on va voir qu'il y a plein de crypto-monnaies qui ont quand même, d'une certaine façon, pris de la valeur. Même si, de façon générale, les crypto-monnaies n'ont pas pris tout ensemble de la valeur, il y a quand même un bon nombre de crypto-monnaies qui se démarquent. Donc, si on regarde aujourd'hui, certaines crypto-monnaies sont en train de se réveiller, certaines crypto-monnaies sont en train de prendre de l'avance. Des petites bulles sont en train de se former. Ce n'est pas pour dire que les bulles vont forcément exploser, bien évidemment. Certaines bulles vont se rétrécir et d'autres vont continuer de prendre de la valeur. Mais ceci est l'idée majoritairement par le Bitcoin. Le Bitcoin étant à 72 000 dollars est en train d'atteindre les tops du cycle précédent. Parce que le cycle précédent, souvenez-vous, on a atteint les 73 000 dollars. Et donc, est-ce que ce serait un nouveau départ? Et à partir de là, on pourrait aller toucher les prochains sommets? Point d'interrogation. Mais pour le moment, le marché reste neutre par rapport à son index qui est à 50%. Les gens n'ont ni fear, ni greed. On est au milieu. Ce qui montre plutôt une tension qui est apaisée dans le marché de façon générale. Mais parfois, il faut aller chercher des informations au-delà de ce qu'on est en train de voir dans le marché. Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Qu'est-ce qui peut driver cela? Qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi certaines crypto-monnaies ne performent pas? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les meme coins se retrouvent parfois au top, dont on est en train de voir plusieurs meme coins se retrouver dans le top 100 aujourd'hui? Quand on regarde le top 100 a beaucoup de meme coins, que ce soit celui-ci, que ce soit les chips, que ce soit les crypto-monnaies comme les banques, les notes et le NIO et bien d'autres là, il y a plein de meme coins qui vont se retrouver au top dans ce cycle. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? On va chercher donc les rapports. Les rapports vont nous expliquer un certain nombre de choses. Et je vais revoir ici le rapport de Coinex qui va effectivement nous parler du secteur de l'intérieur du secteur des meme coins de façon générale. Et donc, si tu as la recherche du meme coin que tu dois mettre dans ton portefeuille pour le voir exploser, la réponse peut être dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y aura une bonne liste de crypto-monnaies, de meme coins, dont on va mettre dans ton radar. Salut à toi, moi c'est Visconti. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement des crypto-monnaies. Si tu cherches un endroit où trader les crypto-monnaies avec des frais de réduction sur les transactions, avec des réductions sur tes frais de transaction, je t'invite donc à t'inscrire avec mon code, avec mon compte, avec mon lien qui est en description de cette vidéo sur la plateforme Coinex qui est une échelle centralisée avec de petites crypto-monnaies qui ne sont même pas encore connues du grand public et donc tu peux déjà trader sur les échelles centralisées. Les échelles centralisées ont cet avantage que ça prend moins de frais par rapport aux échelles décentralisées. Et donc si tu peux encore réduire ces frais, je t'invite donc à le faire avec mon lien en description de cette vidéo. Vous voyez par exemple la crypto-monnaie LUS qui est une crypto-monnaie qui est encore récente et qui est déjà sur l'exchange centralisé. À partir de cette image, donc ce meme coin a été créé à partir de cette image qui a été partagée sur Catholic TV. C'est comme ça que les meme coins se créent. Donc, il y a cette image qui a été créée pour représenter, pour être la mascotte de la sainteté de l'année, donc pour l'année. Et donc, une fois que ça a été partagé, les gens ont créé un meme coin qui représentait cela. Et justement, ça s'est déjà retrouvé sur l'exchange Coinex et vous pouvez effectivement trader. C'est comme ça que les meme coins se créent. Ça part de quelque chose qui devient populaire et dès que ça devient populaire, directement, les gens vont créer une vidéo là-dessus, un meme coin qui sera adossé à cela. Je t'invite à liker la vidéo, partager la vidéo et t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Si tu veux nous rejoindre dans le groupe privé où on partage déjà ces crypto-monnaies, si comme lui, on a partagé ça déjà, c'est en description de cette vidéo dans le canal privé. Et donc dans ce rapport de HTX qui est un exchange centralisé aussi, on va pas se focaliser sur l'exchange, on va se focaliser sur le rapport. Il dit les meme coins ici ont connu un certain boom. Donc il y a un boom depuis 2024. Et ce boom des meme coins 2024, c'est beaucoup plus dans un marché qui est un peu morose, dans un marché qui est un peu, il n'y a pas beaucoup d'excitation. Et donc, les gens vont s'amuser. Et quand ils vont s'amuser, quoi de mieux que les meme coins pour s'amuser? On a connu une certaine émergence des plateformes pour les meme coins plateformes. Donc, les plateformes pour trader les meme coins. Et vous voyez qu'il y a eu tellement de plateformes qui se sont créées pour faciliter le trading des meme coins. Vous voyez,
des plateformes comme Pomphone, des plateformes comme Photon, des plateformes comme Somepom. Il y en a tellement de plateformes qui se sont créées avec des bots sur Telegram qui se sont créées pour faciliter, pour permettre aux gens de trader facilement. Et donc, les gens ont compris cela et ils ont donc créé un bon nombre d'éventails de services autour des meme coins pour trader, pour les permettre de transférer les crypto-monnaies sur des plateformes. Donc, il y en a tellement de choses qui se sont créées autour des meme coins. Dans le futur, les futurs prospects, with meme coin increase liquidity, direct participation from various ecosystems and venture capitalists, from the meme coin market are expected to continue to momentum. Donc, effectivement, il y a, ça va continuer parce que même les venture capitalists ont compris que les venture capitalists, ce sont des acteurs dans l'écosystème qui financent les projets, qui donnent des projets, qui donnent de l'investissement pour des projets en avance. Et donc, ces acteurs-là ont compris qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas et du coup, ils vont commencer à financer les meme coins. Et donc, les tap to earn vont dans cette même logique-là, la logique des meme coins. Vous voyez, toute l'euphorie qu'il y a autour des hamster combat, et bien les note coins, les gold, ainsi de, les dogs, ainsi de suite. Donc, toute cette euphorie-là, effectivement, c'est parce qu'il y a des personnes qui financent ce genre d'activité. Vous n'imaginez pas que vous connaissez un tap to earn comme ça? Non, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans ce tap to earn, campagne publicitaire par-ci, par-là, et c'est comme ça que vous allez connaître. Et cet argent vient où? Ça vient des venture capitalistes. Ces gens-là vont financer effectivement les meme coins parce qu'il y a beaucoup à gagner. Quand on voit des projets qui font 20% en une journée, ben pour un venture capitaliste, c'est beaucoup. C'est trop beaucoup d'argent en fait. Et ils ne vont pas forcément rater ce genre de choses. Et donc, le cycle va continuer. Et il y a, donc, on like previous short levers, meme coin raise, meme coin have become unprecedentedly popular in this round. Mais c'est normal. Les meme coins sont devenus tellement populaires qu'on regarde encore le top 100 des crypto-monnaies aujourd'hui. On va voir qu'il y a beaucoup de meme coins qui sont remontés dans ce top 100. Que ce soit les morgues, que ce soit les crypto-monnaies comme les bread, ça ce sont des crypto-monnaies qui sont récentes et qui sont remontées récemment. Les banques sont un peu là depuis un moment, mais les MIO comme ça sont des crypto-monnaies, sont des trucs qui sont récents. Si on va même dans le top 200, c'est même encore plus grave. Le top 200 est saturé des meme coins. Donc, si on va dans le top 200 et qu'on regarde ici, il y a tellement de meme coins dans ce top 200, que ce soit les GOAT, les Turbo, les PP coins qui sont la mascotte qui représente les PP, que ce soit les Nero, que ce soit les Mémé. Donc, il y en a tellement de meme coins dans le top 200. Donc, si on regarde top 100, top 200, c'est saturé de meme coins. Et donc, on ne peut pas ne pas en parler parce que ça prend une place assez considérable dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui. Et donc, ça va continuer d'après ce rapport qu'on est en train de voir. Et donc, les crypto-monnaies comme Dog with Heart, les BOM, les PP et bien d'autres là, ont connu. Regardez par exemple les pays dans lesquels ces crypto-monnaies ont apparu. Vous voyez, il y a des crypto-monnaies dont vous connaissez forcément ici, les banques, les PP. Donc, il y a cette période ici où il y a eu beaucoup de crypto-monnaies, des meme coins qui se sont créées. Et c'est tout à fait normal. Quand on est en bear market, quand on est en bear market quelque part là, le marché va effectivement réagir avec ce genre de crypto-monnaie pour que les gens s'amusent et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et donc, regardez un peu le marché au niveau des meme coins de façon générale. Vous voyez par exemple les plateformes comme Pomphone ont connu une certaine explosion de trade. Donc les gens ont commencé à trader tellement sur meme coin. Vous voyez Somphone par exemple, 7500 meme coin qui sont tradés comme ça de façon quotidienne, donc par jour. Donc 7500 meme coin qui sont tradés par jour. Et sur Pomphone, on a environ 6900 meme coin qui sont tradés par jour. Et Somphone qui est la plateforme sur beaucoup plus basée sur Tron brasse plus de revenus que les plateformes qui sont basées sur d'autres plateformes, que ce qui est basé sur d'autres plateformes. Donc, pour vous permettre de comprendre qu'il y a beaucoup de fun sur Tron, donc sur la plateforme de Tron, et donc vous pouvez espérer quelque chose avec son token qui dit trading sur une plateforme, dit des frais de transaction, et qui dit des frais de transaction, dit effectivement la crypto-monnaie de cette plateforme. C'est donc pour ça que vous allez voir le Tron qui est assez stable. Vous allez voir que vous voyez que Pomphone est sur Solana, sur Base, sur Blast, mais il brasse moins de revenus
par rapport à son phone qui est uniquement sur Tron. Ça doit être une étude qui doit être significative pour vous, pour permettre de comprendre un certain nombre de choses. Je vais pas aller dans les détails de cela, bien évidemment. Je vais juste vous permettre de comprendre que il y a une certaine euphorie, une certaine demande de meme coin, parce que les gens vont vouloir gambler, les gens vont vouloir gagner de l'argent rapidement. Et qui dit gagner de l'argent rapidement, dit forcément autour des meme coins. Et les meme coins, ça va être excitant pour cette raison-là. Si on regarde ici DexTool, on va voir, il y a des crypto-monnaies qui sont créées chaque seconde. Les crypto-monnaies se créent chaque seconde. Ça se crée, ça disparaît, ça se crée, ça disparaît, ça ample, ça se donne. Ça se crée, ça disparaît très rapidement. Et vous devez donc être conscient de ces changements qu'il y a dans le marché et vous devez réagir effectivement en conséquence. C'est pas pour dire que vous devez venir ici forcément pour chercher à être riche. Vous devez comprendre comment ça fonctionne et vous devez avoir des mécanismes pour effectivement capter les revenus quand c'est disponible et aller à d'autres choses. Savoir quitter les meme coins très rapidement, c'est quelque chose qui est essentiel, bien évidemment. Donc, je vais parler dans tout ce rapport, c'est quand même assez long, mais il y a également des meme coins qui ont été effectivement, qui ont bénéficié de l'investissement des géants. On voit Memehop qui est la plateforme Meme d'une certaine façon dont vous connaissez déjà, qui a été investi par Binance Lab. Vous voyez que Binance Lab a investi également dans le meme coin. Il y a bien d'autres meme coins, oui, pour les riches, qui a été CSU Base, qui a été investi par plusieurs venture capitalistes. Donc ces venture capitalistes vont financer les meme coins parce qu'il y aura beaucoup de revenus là-dessus. Donc on va regarder un cas d'étude de ces meme coins. On va voir par exemple les crypto-monnaies comme Foxy, qui sont des meme coins, qui sont sur la blockchain de Linea, qui a été créée par MetaMask. Donc MetaMask, c'est un wallet dont vous connaissez très très bien. Et donc quand ils créent cela, c'est pour créer de l'activité sur la plateforme. On sait que MetaMask a une certaine réputation. Et donc s'il y a un meme coin qui est supporté par le wallet et sur une blockchain, plusieurs personnes vont se diriger vers cette plateforme. Et donc c'est une façon d'amener également la liquidité sur une plateforme. Et cette crypto-monnaie a fait presque 40x, donc fois 40. Vous voyez sur la plateforme de Base, on a eu beaucoup de meme coins sur la plateforme de Base, à l'instar de Digen, à l'instar de Enjoy, à l'instar de Hai, qui sont des crypto-monnaies, qui sont des meme coins, qui ont une certaine réputation et qui ont été créées par des personnes qui sont véritablement connues et qui ont une certaine autorité dans l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, il y en a sur plusieurs blockchains. Je vais laisser ce rapport en description de la vidéo pour que vous puissiez voir effectivement cela sur Avalanche. On a des meme coins comme Coq, comme Kimbo, Tech, Jack, et ainsi de suite pour ajouter la liquidité sur la plateforme Avalanche et qui va donner un certain avantage au fur et à mesure. Donc, sur Phantom, il y en a également qui sont en train d'arriver sur ZKSync, on a justement le Mio dont vous connaissez qui s'est retrouvé également au top. Et on a plusieurs types de meme coins pour ce 2024. On a les institutions Investor Control meme coins, donc les meme coins qui sont contrôlés par les investissements des institutions. Donc vous comprenez que même les institutions investissent dans les meme coins. On peut citer Boom, on peut citer Slurf, on peut citer Mio, on peut citer Mankey. Donc ce sont des meme coins qui ont quand même une certaine notoriété parce que c'est garanti derrière par les institutions. Et c'est une chose qui peut être intéressante pour les meme coins parce qu'on veut qu'un meme coin soit là le plus longtemps possible. On ne veut pas un meme coin qui va venir et disparaître du jour au lendemain. Sinon, tu vas simplement sur DexTool ici et tu vas sur DexScreener et là, tu vas voir tellement de ces meme coins qui vont disparaître du jour au lendemain. Donc si tu vas sur DexScreener, DexScreener ici, tu vas voir tellement de ces meme coins qui vont se créer d'une seconde à l'autre et qui pourraient facilement disparaître en réalité. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant, d'accord? Mais quand par contre, on voit des meme coins qui sont garantis par des institutions, c'est plutôt intéressant. Donc, Headline Associated Meme Coins, ce sont des meme coins qui sont associés aux grandes news, aux grandes informations. Donc, on voit Trump qui vont surfer sur les élections. On voit les Biden qui vont surfer sur les élections. Ça, c'était les meme coins qui supportaient les Biden. Un peu comme les Kamala Harris, un peu comme les MAGA qui vont supporter effectivement un certain nombre de projets pour un moment donné bien précis.
On a les crypto-monnaies de la communauté, les meme coins de la communauté, les Popcat, les Michi, les SC, Nero, qui sont des meme coins de la communauté. Par exemple, les Dog, les Gold, ça, ce sont les meme coins de la communauté, bien évidemment. Il y a maintenant les meme coins pour les célébrités. Donc, les célébrités meme coins. Donc, ils vont représenter un certain nombre de célébrités, de stars connues dans l'écosystème crypto-monnaie. Moda, Rain, Pajamen, ainsi de suite. Et il y a maintenant d'autres meme coins qui vont avoir des idées totalement différentes, un peu comme Bank. Bank a un idéal d'apporter de la dynamique et de récompenser les personnes qui ont cru au bear market. Ça, c'était ça l'objectif sur la plateforme de Solana. C'est pour ça que Bank a été créé. Les Dog with Hat ont un autre objectif. Et il y a tellement de meme coins avec des objectifs totalement variés, totalement différent. Donc, je vais parler dans tout ce rapport qui est tellement long, mais qui est aussi excitant parce que ça vous permet de voir certains meme coins, de comprendre certains meme coins et de voir ce qui peut être intéressant pour votre portefeuille. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'intérêt et de beaucoup de dynamisme pour les meme coins dans ce cycle-ci. Et je pense que ça peut être un cycle très, très excitant et très, très récompensant pour des personnes qui ont effectivement un certain type de meme coin. Je ne suis pas en train de dire que vous devez mettre tout votre portefeuille dans les meme coins. Elvis n'est pas un conseiller financier, bien évidemment. Si vous voulez trader quand même les meme coins et bien d'autres crypto-monnaies, utilisez la plateforme CoinEx pour bénéficier des réductions sur vos frais de transaction. Rejoignez dans le groupe privé. On a déjà partagé un bon nombre de certains de ces meme coins qui n'étaient pas encore connus et qui peuvent effectivement être intéressantes et exploser quand le moment sera venu. Le lien pour nous rejoindre est en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien, like la vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.